magazine de la société, un magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher encore mieux de notre société. C'est un devoir de protéger et garantir le droit des ben enfants selon la Convention des Nations Unies adoptée en 1989. En enfants, comment un en adultes, les bisins dans bien, les bisins, passe misère, qu'il est notamment affectif, finance ou bien au niveau de ceux, la santé, parents, professeurs, et que la société joue un rôle bien important dans la protection droits des enfants. C'est ce qui nous pousse à nous avec nos deux invités, euh, lors Le Platon. Nous avons tout d'abord avec nous Ratan euh, Jory, qui est Child Welfare Officer au ministère de l'égalité des genres et bien-être de la famille. Bonsoir, monsieur Jory. Bonsoir. Et puis, on a aussi avec nous Mademoiselle Kritika bangari qui est psychologue, clinicienne, toujours au sein du même ministère, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, avec euh, nos deux invités, nous bouquetons le plateau. Décidément, comment nous mieux protège nos enfants Comment nos enfants, eux aussi, ils font partie de notre société, surtout, de l'avenir de demain. Commencez avec vous-même. Ratan Djori, encore une fois, ce qui au cave, rappelle-nous la mission de la CDU. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Au fin de l'année tout à l'heure, le mot que vous une servi, c'est la protection. -même. Mais quand nous cause protection, nous cause protection, de nos bonnes enfants. Mais nous ne sommes pas seulement protéger enfants. Développement de l'enfant. À cause de ça, nous disons CDU, Child Development Unit. Et nous avons une station, nous avons une FSB, nous avons CPUC CPU, Child Protection Unit. Ça veut dire que nous le deux là-dedans la protection et le développement de l'enfant. Alors, la CDU a mis sur place après que Maurice Tayo là signé la Convention des droits des enfants en 1989, ça a été dit, mais on a ratifié la Convention en 1990. Tout à fait. Les malheureux, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la différence quand on signe une convention et on ratifie une convention. Quand on peut signer une convention, on dit oui, OK, tous les droits des enfants, convention des droits des enfants, nous d'accord, c'est tout, fini. Mais quand on peut ratifier la convention, c'est qu'on dit non, on peut respecter tous ces droits là et on peut appliquer ça dans le pays. Avec la loi, à cause de ça, aujourd'hui, nous avons le Child Development Unit et d'ailleurs, nous pourrions l'occasion de cause de la taille, nous de cause la nouvelle loi Children's Act 2020. Allô Maurice, n'est pas un signataire des conventions de droits des enfants. On a ratifié la convention. Maintenant, nous pouvons cause mission, nous pouvons protection, nous pouvons développement de l'enfant, nous pouvons protéger nos enfants. de quoi De qui Nous pouvons protéger contre les abus. Maintenant, ça aussi, nous a beaucoup de monde qui pas ne Le mot abus des enfants, c'est quoi Qu'était-ce ça ça, habits envers nos enfants? Parce que vous pouvez dire que nos enfants, quelque part, sont vulnérables. Bien sûr, nous sommes d'accord. L'être plus vulnérable sur terre, l'être plus humain, plus vulnérable, ce sont les enfants. Alors, nous protégeons les autres de mal-maltraitance, de mal-habits. Qui nous peut dire par ça? Oui. Quand nous pouvons cause, nous faisons plus facile, nous pouvons cause nos enfants protection des enfants comme abhi, physique, que nous appelons battre dans le jargon créole, avec psychologique. Émotionnel, habits sexuels et puis négligence. Voilà, voilà, c'est un cas qui est rapporté au niveau de la CDU. Les bons, je les hotlines de la CDU, si par exemple, quelqu'un ou quelqu'une a envie de rapporter un cas de maltraitance de nos enfants, les téléphones sur les hotlines 113. Je ne dis pas que c'est 113. Parce si que nous faisons gagner nos enfants quand nous payons 113, je te fais 100 avant N00, après je te maîtrise. Oui. Alors, si nous faisons dire le numéro par le numéro, c'est-à-dire NN3. C'est un numéro vert, 24 sur 24, gratuit, et vous pouvez peut faire dans l'anonymat. Et même si vous donnez ou l'identité, ou l'identité, les protéger d'après la nouvelle loi Children's Act 2020. Mais d'après la nouvelle loi Children's Act 2020 où on a l'obligation de rapporter les cas de maltraitance. Qui fait Parce que section 34 de Children's Act 2020 dit si on connaît un cas, et où, après, on ne rapporte pas rapport de cas là, durant l'enquête de la police, du brigade de la famille, de la CDU, on connaît ou tu connais les cas, on ne rapporte pas aux rapport complices. Et on a un maximum d'emprisonnement de 5 ans, et un maximum amende de 200 000 roupies. Alors, il y a une obligation pour rapporter banka des ban enfants qui peuvent maltraiter. Donc, c'est pour, pour ça hein, qu'Ena, euh, enfin, me le disait le public, a le devoir de faire aller pour protéger, c'est comme ça, c'est un moyen de protéger les enfants, c'est en euh, faisant des, des... ou dénoncer, hein, ou dénoncer. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, euh, Ben Téléspectateur PKA trouve euh, le numéro euh, de la hotline euh, qui est affiché en ce moment euh, sur l'écran, hein, le numéro euh, qui Ratanjori fait de nous, c'est le 111. -1 Trois, ces amis, c'était un cas d'abus, de, de, mais aussi un ben, cas suspect, hein, parce qu'ils ne pas connaissent, pas vraiment, il y a, enfin, ne pas prendre de bien détail, mais au moins faire si Dieu connaît à travers sa hotline. Là. Non, dans la loi, il désigne suspect. Il y a le mot dans la loi. Non, si il y a le mot. vous pouvez suspecter ou il a doute ou bizarre rapporté. Dès que les méchants comme ont la société. Mm -hmm. Et vous connaissez, quand nous peut cause la société, nous peut cause la société humaine. Diboune. Mais c'est ça, les ben, enfants qui peuvent être futurs adultes de demain. C'est ça. C'est ben, là qui peut en sortir la société mauricienne, comme on nous dit. Alors, à nous faire tout pour qu'ils nous protègent, nos enfants. Mm -hmm. Et dans meilleure qualité de vie, c'est ce qui nous a été inspiré avec nos autres invités, lors le plateau, Kritika Bangarigadou, qui est psychologue clinicienne donc, au sein du ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Donc critica euh, Bangarigadu, qui banne euh, besoin fondamental de ben enfants. Donc euh, l'enfant est très important au sein de la famille, au sein de la société. Les enfants ont besoin d'amour et surtout de sécurité. C'est très important. Un enfant qui sent l'amour, sans bonnes parents, qui amènent le sur le droit chemin, sur le bon chemin, il peut avoir un sens de développement qui parcourt. Parce que, par exemple, mon collègue, il dit que quand nous cause euh, besoin de l'enfant, ils vivent ensemble avec le développement de l'enfant. Par exemple, s'il si y a un enfant qui vit dans un, un environnement qui est agressif, plein de violence, Définitivement, à long terme, l'enfant apprend à normaliser la violence. C'est ça même, ça m'a enfant-là qui a tendance à le par les autres enfants à l'école qui essayent. Exprime l'émotion d'autre part. Parce qu'un enfant, il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui développent euh, des problèmes de développement qui sont très génétique par exemple la schizophrénie, ou il y a euh, problème de dépression. Ces enfants ils peuvent vivre dans un environnement qui est agressif, qui est violent, qu'on peut abuser. L'abus sexuel, ce n'est pas euh, l'abus. Euh, en, en général, ce n'est pas que l'abus sexuel, physique, émotionnel. Il y a aussi euh, la violence domestique quand l'enfant vient une victime collatérale euh, de la scénario. Quand un enfant qui peut vivre euh, des instances de violence domestique, je n'est plus capable de se concentrer dans l'école. Donc, le besoin d'un enfant, c'est d'être protégé, d'identifier un sens de sécurité avec les parents, que êtes capable de faire aux parents confiance vous êtes les Parce que si jamais un enfant a une abus, dans un environnement autre que la maison, c'est très important que l'enfant vienne disclose euh, l'abus qui n'arrivait Souvent, des fans de les disclosent, c'est parce que les parents n'ont pas créé un environnement adéquat où les enfants se, sont, se sentent Confortable pour exprimer, pour dire qu'ils ont abusé. Il ne fallait pas qu'ils n'oublient que même dans notre environnement à la maison, il y a un papa qui abuse de propres filles, propre petite-fille et il y a un tonton qui abuse de ses propre nièce. Donc, pour que ces enfants-là vraiment aillent de l'avant pour dire que j'ai été abusé par X, Y, Z, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de confiance et sens de sécurité envers les parents. Tous ça abus qui on explique nous là, critica Bangarigadoo, il y en a une conséquence lors la vie de ces enfants là. Maintenant nous disons que ces enfants sont aussi victimes de de violences domestiques, parce que très souvent, mon pensée nous disait déjà sur le plateau, nous croyons que papa, maman, père, la guerre, enfants de disent péguetés, témoins. Alors ce qui me pense, moi nous attendons où des enfants qui ces enfants là? Les euh, les a compté comme une victime lui aussi. voilà, c'est une victime collatérale, donc nous, au niveau du ministère, mmh. quand nous faisons nous une session, avec euh, Ban Couple Counseling, nous faire aussi euh, avec l'enfant, parce que c'est une victime collatérale, les enfants-là. Ici, il ce, ce mot à dire, le besoin de l'enfant, ce que y a le droit à être entendre aussi. Ici, il y voix. Nous, êtes d'une enfant-là, se place pour lui communiquer, pour lui dire quelque chose. Et en tant que euh, euh, psychologue, comment est-ce que euh, tu peux définir justement, euh, est-ce que ces enfants-là, par exemple, il, il, y, aussi, il y a aussi un stress quand on quand a tout ce tout qui est énuméré là, enfants -là les enfants-là, ils sont stressés. Définitivement, stress, ça existé en tout humain. Ce n'est pas que les adultes, c'est pas que les adultes qui font dépression. Mais par contre, la façon dont un enfant fait dépression, pressions est différent. Parce que nous, en tant qu'adultes, on a les mots adéquats pour nous exprimer, nous. Mais par contre, un en enfant pour les exprimer il est très difficile. Donc, un en enfant pour lui les... les... montrer signe d'agressivité, de violence envers les autres en enfants, nous déjà reconnaître que un en enfant a problème émotionnel. Même un en enfant a problème de comportement, la source de mon problème de comportement, c'est un ben problème émotionnel. Donc, il ne faut pas, en tant que parents, nous, ou nous oublier que nos en enfants, ces un ben adultes de demain. Donc, si nous, nous malguidons nos enfants et si nous faisons de sorte que nos enfants ne soient pas protégés, bien, donc, les capables arrivent à mener les enfants sur le mauvais chemin. Par contre, par exemple, si les enfants tombent dans la drogue, c'est une dépression, un problème émotionnel qui mène vers la drogue, vers une instance de juvenile delinquency. C'est les enfants qui n'ont pas de guide approprié, que l'autorité parentale n'a pas été exercée au moment approprié. Donc, quelque part, il y a un problème avec les parents, que les parents doivent se responsabiliser un peu plus maintenant avec... Euh tout le monde, avec comme il te professionnel, on a moins de temps pour la famille et surtout pour les enfants et on a très peu de temps pour communiquer avec les enfants. La communication, c'est la base d'établir une relation stable avec aux enfants, aux enfants déjà con... aux enfants déjà connu qu'ils aient fait et permissibles et non permissible. Donc, nous pouvons dire un petit peu l'autorité hein, euh, parentale, mais on nous dit un mot qui m'a ben, enfants, je euh, suis passe par Ben. Dépression, c'est un mot qui est assez fort, hein, parce que quand nous ça, nous-mêmes, nous nous là, hein, nous disons dépression, déjà adulte, à là Ben, enfants, donc nous imaginer euh, à quel point il est capable d'affecter toute la santé. Mental et physique, donc au nous, qui nous faisait qu'on aurait trouble de troubles de comportement chez l'enfant. Ça ne veut pas dire que quand un enfant peut-être est un petit peu hésité, il y a un petit peu. Euh, euh, li, 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 il peut montrer un hein, de troubles, il, il peut comporter d'une manière différente, qui nous faisait réaliser que ces enfants-là, peut-être, il y a des problème. C'est pas que ça. Souvent, des fois, on trouve des enfants qui souffrent de dépression, de socialement. Ça veut dire que ce n'est pas les enfants qui peuvent intégrer avec man les autres enfants, oh. so pour jouer. Je pourrais, au cas où ces enfants-là, qui pour un oui, pour un non, ils peuvent pleurer, les mettent les dans un coin, ils ne passent plus beaucoup de temps dans la chambre, ils n'ont plus envie que' ils pas envie de la télé, ils n'ont pas envie tout. C'est parce qu'ils peuvent internaliser sous anxiété qu'il y a Et au fil du temps, ils continuent à internaliser sous l'anxiété. Là, ils viennent une in in inner disturbance. C'est là qu'un beau jour, ils éclatent et ils commencent à montrer un ben comportement qui n'est pas approprié. D'accord. Donc, parmi ces signes-là, il y a le signe de la peur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement ne trouvaient un petit peu plus pères ou bien ils étaient un petit peu traumatisés. Tout cela nous faisait un signe qu'il nous faisait reconnaître. Définitivement, le trauma, il account à quelque chose qui est arrivé dans le passé. pour vous dire que nous, il y a un autre une, une lutte, euh, trouble mental qui s'appelle le post-stress traumatic disorder. Donc euh, ça, c'est suite à un trauma qu'un enfant vive Donc, s'il est exposé à la même situation, il commence à trembler, il commence à transpirer, ce bipi a tendance à monter, il commence à faire un cauchemar par rapport à l'incident, il pas dormi bien, son appétit baissé. Donc, ça, c'est un facile à reconnaître qu'un enfant lit pas bien. Alors, Ratanjuri, hein? comment est-ce qu'il y euh, dans mon. Département dans, dans l'unité que vous Child Development Unit. Comment est-ce qu'ils gèrent l'information qui met les enfants en danger? Ah, oui. D'abord, pour vous dire ce que les psychologues viennent dire, c'est tout à fait vrai. Hein? Parce il y a beaucoup de parents qui viennent avec nous, moi-même, il y a beaucoup de parents qui viennent avec nous au niveau de la CDU. Il y a beaucoup de parents qui viennent dire comme ça qui, mes avoir enfants, papa, écoute-moi. Ah. Mais quand nous cause l'écoute, c'est des deux côtés, il n'y a pas côté. La maman dit à Là, moi, parents Est-ce qu'ils ou, ou écoute aux enfants? Vous connaissez un mot qui est psychologue qui est bien important, la communication. pas pour payer pour dire, il n'y a communication entre parents et enfants. Vous connaissez qui m'a dit Qui explique ça Je vous dire, où là on eu l'occasion de faire visite dans la case mes nos parents, on a remarqué, beaucoup de places, on remarqué, par exemple pendant l'heure de dîner, on retrouve papa-là dans son salon, il peut dîner, en même temps il peut sur la télévision. L'enfant là, lui aussi, il peut dîner. Mais qui est dans la chambre, sur la tablette, tablette, ou sur le PC Maman, je ne connais pas toutes les choses dans la cuisine. Pendant le déjeuner, hein? quand on prend la communication Et s'il est arrivé, j'aurais je six jeunes à table, là aussi, pour la communication. c'est ce qu'il y a avec vous, des plats qui peuvent causer, ou dans ça sont là pour la communication. Alors, communication très importante dans la cellule familiale. Au jour du jour, qu'il peut arriver à nos jeunes, surtout nous, nos adolescents, je préfère faire confiance, je préfère communiquer avec les autres camarades, quand ils ont un problème, <laughs> au lieu qu'ils qu'ils discutent de ça avec les parents. parents. De l'autre côté, il y a l'autre qui est important, le psychologue finit dire, c'est affaire de temps. Beaucoup de parents ne gagnent pas le temps. Les parents -là peuvent travailler pour qu'ils pour les enfants. -là. Moi, quand je fais 40 ans avec mes parents, je dis à mes parents, si 10 à 15 minutes passent le temps et que les enfants ne pas jour, ils beaucoup.

Peut-être les son enfants sont boudés, ou bien papa est mm -hmm. venu à ce petit problème. Maman est venue à travail, elle est avec ce lot de stress. Quand on arrive à la porte, est-ce euh, qu'il nous a sacouillé les pieds, tiens ça la poussière, qu'il nous a en déo la casa C'est ça qui peut dire, nous Comment est-ce qu'il nous break the ice Peut-être que pas envie de causer. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Comment est-ce qu'il nous break breaké ice Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous connaissez une préparation qui vous faire, fait Qui peut redire dire par ça c'est-à-dire, nous devons comprendre les affaires. Ou en tant que parent ou un rôle modèle pour ces enfants-là. Ok. Un. En, deuxième, ou, ou un adulte. Nous devons d'accord. Mm -hmm. Troisième, je mon dire, là, au peux travailler pour ces enfants-là. À ou même en tant que parents, tu peut venir. Ou même on peut crier avec ces enfants-là. Ou même on peut aller dans la maison. Mais ces enfants-là, qui y qu peuvent apprendre? Mm. Ou en tant que rôle modèle de ces enfants-là? Ou même, vous avez un bon exemple pour ces enfants-là. Moi, j'ai beaucoup de parents qui sont des autres de, de enfants. Et ils m'ont parlé de fumer, de boire, si tu connaître avec moi, d'argent qu'on créole. Et seulement, quand ces enfants-là sautent sur les sons, sautent sur l'école, ils trouvent que papa-là peut boire, <coughs> et fumer, je si pas, d'un bob. barbe. Voilà. Plus a que ça, moi, je ne gagne Quand papa-là même, il donne aux enfants-là l'argent pour la ces cigarettes et la boisson alcoolisée, mm. qui mm. pas gagné droit. Mm. Très grave encore. Alors, où, en tant que... Parent ou même ou besoin un rôle modèle pour la famille. Tal mm -hmm. on pose une question, mais comment ça man là les référer? Oui. Comment nous gagner cas au oui. niveau de la CDU? Exact. Ben, vous aller tout à l'heure ou même vous donner le numéro du hotline. Oh. 1, 1 3 Et moi je vous dis la majorité des cas qui nous gagnent mm -hmm. le no hotline c'est anonyme. Mais comme on dire au commencement de l'émission même si vous donne ou l'identité ou l'identité les protéger, ne pas dire que la personne qui a rapporté les cas et d'ailleurs, ça les fuir dans la nouvelle loi Children's Act 2020, ne pas gagner le droit de dévoiler l'identité de la personne qui a rapporté les cas. Maintenant, à part le 113, nous avons des travailleurs social sur le terrain qui réfèrent nos cas. Du ministère. Non, nous avons des par exemple. Ah, pardon. Nous avons des personnes qui, dans le centre communautaire, dans le centre social, dans social, nous avons person, par exemple, dans les autres ministères. Le ministère de l'Éducation, Le ministère des Sports, Alors, partout man. Man, du public, le bureau de for Children, nous Alors, tout le monde a l'obligation de rapporter le cas sur le 1 un 3, après la nouvelle loi Children's Act 2020, sinon Mamofindiao tout à l'heure, au complice, il a un maximum d'emprisonnement de 5 ans mm -hmm. et un maximum d'amende de 200 000 roupies. D'accord. Alors, euh, où euh, critique Mangarikadu en tant que euh, psychologue par rapport à ce qui Ratan fait expliquer nous, donc euh, ces enfants-là, ils en danger, euh, comment... Bisept Prépa, les enfants-là, de toute façon, pour vous être un petit peu, comment est-ce qu'ils ont procédé pour être capables protéger ces enfants-là, peut-être euh, avant même qu'ils nous passent à la prochaine question, peut-être les bons, Ratan hein, qui vous explique-nous, comment ils se protègent, ces enfants-là, comment est-ce qu'ils se pris les parmenés dans Shelter, comment ça se passe-là. Bon. Après, nous revenons Pour être capables de comprendre, nous prenons l'exemple simple. À nous dire, nous venons recevoir un cas sur les hotlines 113, oui. et, a, et nous avons un enfant qui a battu. de 8 ans, nous avons l'exemple pour nous rappeler et mm. Right. Bien sûr, quand nous de ça, l'appel là, sur les hotline 113, nous venons recevoir dans la région de Pau, lui, un exemple. Hein? Et bien sûr, nous référons à l'officier qui a un call pour la région de Pau. L'officier mm -hmm. concerné pour téléphoner à la station de police. À nous dire, c'est incroyable. croix nous téléphonons oui. à la station de police d'Abercombi. Oh, oui. Nous référons le cas pour que la police aille. Quand nous tenons le Child Protection Act 1994, la police peut dit comme ça, non. Le studio officier bienvenue. Léa dit pour aller gérer les enfants là. Oui. Officiel, il a raison, de dire, parce que c'est ancienne loi. Hein? Léa nous a venus, on s'est mis avec la police, mal officiel, sur le lieu, nous allons aller gérer qui n'est pas à l'arrivée des là. Mm -hmm. Mais ça lui prend le temps. Le temps, moi, en tant qu'officier, je prends un psychologue, je prends un travail social, je prends une station, je parle aux enfants là. ne oui. pas qui n'arrive pas aux enfants là. Oui. Mais heureusement... Avec la nouvelle loi, section 30 de Act 2020, la police est toujours. La police a même gain droit de rentrer dans la case de parents là, tirer l'enfant sans un emergency protection and order. Nous, en tant que nos avons nous besoin l'ordre de la cour, nous emergency protection order signé par le magistrat pour nous garder accès avec ces enfants là. Mais la police là non. D'après la nouvelle loi, Children's Act 2020, elle y Mm -hmm. Le droit roi prend l'enfant, amène à station. Le même gare roi amène ses enfants. À nous dire ça, l'exemple que je peux donner, là. il n'y a mort mort que là. Police là, les enfants, là. Mm -hmm. le policier, là, il est à l'hôpital, bien sûr, entre temps Les officiers de la CDU peuvent venir. Il y a une étroite collaboration entre la police, le brigade de la famille et la CDU. À nous dire l'enfant, il faut dans l'hôpital. Bien sûr. Quand son enfant là admit à l'hôpital nous continuer à faire suivi avec l'enfant suite à des choses de l'enfant. Quand prend la ont des choses, les là que nous prenons les d'un le shelter. La santé de l'enfant d'abord. La santé avant. Alors, la santé, c'est bon, hein, qui, qui mentionne ça. La santé psychologique aussi. Euh... La santé psychologique ajoute à la, la santé biologique de quelqu'un, d'après l'OMS. Donc, la santé psychologique de l'enfant, c'est qu'il est qu a bien au niveau cognitif, au niveau émotionnel, au niveau de so comportement. Oui. Donc, ce qui est arrivé, euh, quand nous finissons, enfants, nous avons besoin de préparer les à la so réintégration dans un nouveau environnement. Par exemple, si un enfant est abusé dans un environnement, euh, un exemple, c'est est abusé dans son propre nous ne nous pas capable de réamener dans un environnement abusif. Là, qu'est-ce mm -hmm. qu'il fait? Parce que y avoir une pensée récurrent de. Euh, de l'incident, l'agression, l'abus mmh. sexuel et il y en a une anxiété, il y en a la peur à ce que il revive ça et il y en a accès avec le perpetrator, qui la personne qui infère sa mmh. donc, qu il fait ça là Donc c'est normal qu'il nous pas pas amène là-bas. Mais en attendant donc, au... le perpetrator, excusez-moi, le perpetrator il n'allait la lien parce qu'il y soit bizzare tant qu'il n'a preuve. Même s'il y en parce que la police prend apprend pour... ouais. déclaration de l'enfant, là qu'il est allé vers l'arrestation mmh. de la personne. À C'est ça, Dimouna, il peut arriver à un moment où les bourgeois ont caution. Quand ils finissent de gagner ce caution, les bourgeois retournent dans leur environnement à la maison. Donc, il y a une condition qui est à ce que l'enfant n'a pas accès avec sa Dimouna. L'agresseur. Mais pour, pour, pour que... L'enfant soit protégé, l'enfant ne retourne dans cet environnement-là mm -hmm. à n'importe quel moment. Donc, tout d'abord, l'enfant lit déjà psychologically, emotionally disturbed par rapport au fait que l abusé. parce que un en enfants, ses euh, parents, ils battent, ils abusent, ils connaissent en toute innocence, et il y a beaucoup moins d'enfants, par exemple, à l'âge de 3 ans, 4 ans, je ne comprennent pas l'implication de ça. Peut-être un papa, l'a toujours tous ses enfants d'une certaine façon quand la, pendant l'absence de la maman. Donc, l'inabus, l'habitude que l'enfant, l'item ça comme l'amour, l'affection, que le papa peut donner, ou l'amour, l'affection que l'agresseur peut donner, parce que l'agresseur, il peut groom the child, on appelle ça en terme, en anglais. Donc, il prépare l'enfant pour croire que c'est normal de faire ça. Et il même donne une menace à l'enfant si tu as dit telles affaires pour arriver à la famille, telle quitte chose. Donc, par rapport à sa main de menace-là, les enfants n'ont pas bougé. Donc, nous a le côté psychologique que les enfants ont débalancé les peurs pour les, les dévoiler euh, ce abus. Mm -hmm. De l'autre côté, quand point il y a un changement de l'environnement, parce qu'un en, en, en enfant, même ce parent, une bat lui, une abuse de lui, il est content, de rester sur ce parent, même marrant, prostitué, prostituée, les, il n'est pas pour comprendre l'implication qu'il n'est pas bon. Donc, nous avons fait l'éducation psychologique de l'enfant pour faire lui comprendre mm -hmm. que sa façon que tu as été menée n'est pas correcte pour toi. Donc, il est très, très important de nous faire ça et nous prépare l'enfant pour l'intégrer dans un shelter. Bah, au, au commencement, définitivement, il une anxiété de séparation parce qu'il est déjà adapté, ajusté dans un environnement qui est correct. Il est dans ce zone de confort à la maison. Il connaît quand il peut baigner, quand il peut faire ses devoirs, quand il peut regarder sa télévision. Et il peut y avoir un privilège d'être retiré le shelter. Ce n'est pas pareil. Pareil comment à la maison qu'il euh, pourrait recevoir une attention individuelle, qu'il pourrait parents, avoir sur mais euh, 200%, l'enfant euh, va être protégé. Donc, ça doit être euh, une un torture pour ces enfants-là, euh, le fait qu'il ne passe pas toute sa bande. Ces euh, différent, c'est euh, qu'elle psychologique que l'enfant voilà. vive avant qu'il arrive à vraiment être protégé. Alors, comment est-ce que justement ou en tant que psychologue ou assure la stabilité de ses enfants là donc on psychologique a la stabilité psychologique de l'enfant euh, va être assurée par un test qui nous fait, par une évaluation. Et nous pouvons établir un certain rapport, gagner confiance de l'enfant, parce que on est un étranger à l'enfant. Il se trouver nous pour la première fois. c'est pas facile qu'il puisse venir de l'avant pour dire où, une des qu'il ne vit avec pendant pas mal de temps, qu'il ne pas à ce parent ou qu'il ne pas les autres familles. Mmh. Donc, nous pouvons établir un certain rapport avec l'enfant. En sus de ça, l'ELA nous assure la stabilité psychologique de l'enfant. Nous avons des ce qui nous fait, nous avons une thérapie qui nous fait pour que nous réussissons à assurer la stabilité mentale de l'enfant. Qui a bien besoin de vous, là, dans cette période-là. Alors, Ratan, j'aurais retrouvé que tu as envie de réagir. Oui, envie de réagir. Vous savez, nous devons bien comprendre les affaires. La CDU occupe bien-être psychosocial de l'enfant. Quand il s'agit de l'enquête et de la poursuite, ça c'est bien sûr la police, mm -hmm. brigade de la famille. Nous bien comprends ça. Mm -hmm. Maintenant, au niveau du shelter, what next? Beaucoup de monde pensait que quand ces enfants-là venaient au niveau du shelter, ça veut dire qu'ils pourraient rester là-bas quand ils auraient l'âge adulte, quand ils auraient 18 ans oui. ils sont allaient au lycée aussi. C'est tout à fait faux. Hein? On peut expliquer ce qu fait. Quand ces enfants-là dans le shelter, visite avec parents biologiques, continuer continuent dans une section, en CIAI. Quand il continue à faire sa visite, qu'on appelle une visite back to home, continue à faire visite pour ces enfants-là avec la famille concernée. Mais, si la famille concernée, le papa, même l'agresseur, dommage, là, là, ça c'est logique. Oui. Tant que possible, bien sûr, des obligations qui l'accusé que la victime ne visait pas. Besoin. Maintenant, quand l'enfant est dans Chalet, euh, visite continue, il bon, est possible, bon, l'agresseur, disons, à nous dire que c'est papa-là, hein. Mais il est possible qu'un tonton ou une tontine veuille prendre la responsabilité de l'enfant. Pourquoi pas Mais il est venu, il lui fait ce demande devant le magistrat. Le magistrat demande le probation report, demande le CDU report, psychological report. L'élève a le magistrat pour guetter si. Ces enfant là qu'alcoûtent son tonton ou son alcoût son tonton. Ça, c'est une option. Deuxième option, les enfants-là, qu'alcoûtent un des bananes institutions comme le SOS Village, les TRDP. Alors, ils a pas un seul banan institution. Troisième option, famille d'accueil ne pas oublier? Nous on a beaucoup de parents qui viennent faire une application pour accueillir ces enfants qui dans ce de là. Il y a qui fait une procédure de matin psychologue, rapport psychologue, rapport, mandat d'ouverture qui produit devant magistrat. Décision finale, c'est le magistrat qui pour prend pour combien de temps ces enfants là coup de ça? Famille d'accueil, famille d'accueil là. Alors nous nous connaissons pas ces enfants, les pas fini peut Mais moi le dire. Un fleur, il peut en fleur. meilleure place pour les enfants c'est dans les les enfants aussi, pareil. meilleure place pour les enfants épanouir, c'est dans une famille. À cause de ça, le ministère a le projet de famille d'accueil. Est-ce que vous un plus sur foster care Alors, qui qui Comment est-ce une foster care family Bon, beau, d'abord, beaucoup d'applications, beaucoup de parents peuvent faire application Pour accueillir sa main d'enfant, de le deuxième mois, dire à eux un grand merci. Et vous trouvez que chaque enfant qui s'est accueilli à eux, actuellement, les 12 000 rupies par mois que le gouvernement donnait par enfant. Okay. Hein? Comme vous venez, Fostère, euh, famille d'accueil. Les banques qui vous donnent ça. Et maintenant, l'application, où il une forme pour remplir. Ah, C'est de sa forme, il y a plusieurs critères. Oui. Par exemple, qu'il a un enfant ou non le sexe de l'enfant. Enfin, il y a même critère critères que vous avez remplis. là, d'après ces critère là L'officier concerné, les liens avec le shelter concerné, les ici, d'après les critères que vous mettez dans sa forme-là, est-ce qu'il y a des enfants qui correspondent L'élève vient de procéder de matching. c'est ça. L'officier concerné, pour amener ses enfants-là, et avec le foster, futur foster pérenne, ils ont besoin de là. L'élève, pour un rapport psychologue, devant l'officier concerné, devant le psychologue, pour guetter ce qu'il y a dans sa matching-là. L'élève, quand il y a un rapport positif, du psychologue, l'officier le concerné, les là devant le magistrat. À ce devant oui. le magistrat, magistrat devant proposition une repos, c'est du repos. Nous réponse. Mais quand le magistrat donne donner le premier fois le fausse apparence, les cas donnés pour un mois. Ah, il est pas donné à vie, ça. Non. Il est un maximum période d'après la loi, c'est deux ans. Les cas donnés deux ans, ans? ans? un <laughs> mois commencement. Capable si prochain un mois, six six mois. <laughs> ouais. le rapport est favorable, les cas donnés pour trois mois. Il y a les mêmes going un maximum période. De, de deux ans, de deux après, ans. Deux ans moi, connais, <laughs> après deux ans qui est moi tu connais au propos dans sa question après deux ans qui après deux ans ou même avant deux ans si la famille biologique est rétablie si il y a une autre personne dans la famille qui a envie de là, peut en vie prendre l'enfant tout cela nous a considéré ah ok ah oui 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 allô mm -hmm. c'est à cause ça nous dit faut pas nous confondre la famille d'accueil et l'adoption c'est deux choses différentes. totalement différent allô ses enfants-là, ils ne sont capables de retourner dans la famille biologique s'il est positif, s'il est rétabli, s'il un rapport favorable comment nous dire, dans la famille, pourquoi pas l'enfant retourne dans la famille. Est-ce que ces enfants-là, ils de décidé normalement qu'ils ont envie d'aller Non, ils ne sont pas capables de décider. Moi, mm. je dire ce qu'ils font. À cause de ça, on peut trouver quand une qui pareil, qui soit famille d'accueil, une femme qui les enfants au niveau de la cour, mm. nous mm. demande le rapport du psychologue, que ce soit le psychologue, ou même le psychologue de la CDU, nous avons. Le rapport du probation officer, Nena, le rapport décideux. Après tout, ce rapport-là, il est là Léa pour décider. Nous rédiger encore. La décision finale, c'est magistrat qui prend de ses enfants là. Alors, on me rappelle maintenant <laughs> les spectateurs qui ont dans la protection des enfants avec deux invités chez le plateau. avons avec nous, Ratan Jori qui est child welfare officer au ministère de l'égalité des genres du bien-être de la famille et nous a aussi avec nous mademoiselle Kritika Bangarigadu qui est un psychologue clinicienne du expliquer justement comment la child development unit, les prothèses et surtout aide au développement des enfants Vous ça. Alors, quand on peut dire à nous ces enfants là, à non famille d'accueil qui est très important, les est bon qui nous connaissent ça et les CAP il, il, il y a même un problème dans sa famille biologique, mais il y a une famille d'accueil qui l'a a, accueillie. Là, maintenant, mademoiselle Bengaregadou, qui est ses enfants-là, euh, allons-y, l'une stabilisée, comment elle est là, peut dire, il y a une certaine... Euh, euh, comme, euh, il commence à habiter avec sa famille d'accueil-là, qui est arrivée, quand ces enfants-là, bien, ré retournent dans ce euh, famille biologique. Est-ce qu'ils ont suivi ces enfants-là pour encore traumatiser ou bien stresser? Comment est-ce qu'ils se préparent, donc euh, avant même, je reprends-lui avant. Donc avant une enfant, elle a une famille d'accueil. C'est une préparation qui nous a déjà fait avec l'enfant pour expliquer que c'est une place temporaire. C'est pas une place euh, quand il a besoin de rester à long terme. Parce qu'il n'y a pas de qu enfants qui d'enfant qui retrouve de shelter mm -hmm. Lui en vie retrouve retourne lui de ses parents. Parents-là, ils ne battent pas, bat ils de de pas, ils ce parents. Ils ont envie de retourner à ce parent. Donc, euh, je choisis, à elle, euh, je choisis à pour Al Kotaman Foster Parents, mm -hmm. bien sûr, avec mes parents qui déjà fini de faire un assessment parental pour que je, 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 je joigne tout mon. Critères à être parent parce que ce n'est pas des enfants normal qui nous peuvent causer. Ce des enfants à problème, des enfants problème émotionnel, à problème de comportement. C'est à cause de ça que nous nous retrouvons nous avec une situation où il y a des foster parents qui viennent après certain temps. Je te retourne, enfant, je enfants je dis plus capable de faire ça. Donc, nous, en tant que psychologue, nous pas que l'enfant, nous préparons le foster parent aussi. Donc, nous préparons le foster parent pour que ce récit accueille ces enfants-là dans cet environnement pour que ce récit crée un environnement confortable euh, avec beaucoup de protection, beaucoup de sécurité pour l'enfant. Suite à ça, quand l'enfant pour retourne de sa famille ou connaît un enfant, il a déjà un attachement initial avec son parent biologique. Lit tout le temps, même si on le remet lit avec une place qu'il y a un « foster parent » pour lui, c'est un bon étranger. Malgré qu'il y a une bonne fois que les enfants établit ban rapport un bonding superbe avec mon foster parent et ça mène, euh, mène vers l'adoption au fil du temps si je n'ai aucune possibilité de réintégration avec cette famille. Mais il y a des enfants qui ne retourne pas les parents, donc la réintégration passe très facile parce que à chaque fois qu'il y a des enfants, oh, mais leur mais retourne-moi avec mes parents, retourne-moi de mes parents. Donc, c'est un travail qui nous fait avec le foster parent, avec les parents biologiques pour que je les à enfants pour qu'ils aient une bonne Skills parentales qui approprient pour régler de ces enfants-là, parce mm -hmm. que c'est trois différents environnements qu'on peut causer. ces enfants qui peut changer différents environnements, oui, que les besoins adaptés à différents environnements. Donc, nous préparons l'enfant avant même les, les Aldos, trois différents environnements. Rattanjori, qui m'a nous par rapport à ça? Donc, ces enfants-là, vous êtes assurés qu'ils. Il li pas comme on dit dire, en même temps euh, sans eux-mêmes, puis mm -hmm. aller puis dia ok ça fallait aller dans la famille d'accueil finir de famille d'accueil il aller dans sa famille biologique et est-ce qu'il y a un support pour sa parents biologiques là qu'on ait un support de parents capable de faire mon papa et dia ne papa ne pas là pour juger mes parents hein capable arrive un héritier un parent qui capable il de ses enfants hein une façon de pas aller euh, il bat ses enfants le papa connaît si pas il p abuse de ses de ses enfants mm -hmm. est-ce qu'il les a c'est un programme pour n programme pour Tout parents là pour lui capable comment dire euh, comment on peut dire ça les rétablir les revenir Ré -ré normal comment on dit euh, euh, oui il prend conscience de ça quand une fin tient enfants, le fait mettait au niveau de shelter bon oublions qu'il finit de la famille d'accueil hein, faut pas dire au niveau de shelter même si il finit au niveau de shelter mais n'est pas quand la famille d'accueil là quand une fin prend l'enfant nous peut amener disons, là, il y a l'hôpital, mm -hmm. nous peut déjà commencer, commencer à travail avec les parents. Ah oui, c'est un programme, là. <laughs> c'est un programme. Mm -hmm. Par exemple, moi aussi, je vais donner un exemple de cas qui nous fait une fière dans le passé. Pas besoin une gamme de nous donner un parent qui est alcoolique. Nous référez de autres mm -hmm. de santé qui besoin référez aux autres. Pour qu'il y ait l'alcoolique, nous connaissons, hein. nous référez aux autres de santé qui besoin. Mm -hmm. Parents là, les, sous l'influence de la drogue. Encore une fois, nous référez de l'instance qui besoin. Mm -hmm. Parents là, les PNN de la cage. Nous référez aux instance qui besoin. Mm -hmm. Et mon capa au diable, qui... Avant même que ces enfants-là aillent dans une famille d'accueil, ici, si les parents finissent rétablis, nous avons déjà fini plusieurs enfants. Ça, c'est N. Ça aussi, dit vrai que nous avons des enfants qui finissent déjà à finir dans une famille d'accueil. parents rétablis encore, rapport positif devant le magistrat, et finissent ces enfants depuis de famille d'accueil, passent par le psychologue, et ils retournent dans leur famille biologique. Donc, vous avez des success stories comme ça. Bien sûr. Que parents, malgré le fait qu'il n'arrive à n'y rien, vous voilà. êtes capable de euh, ré réfléchir, de ré travailler là et de empower sa parent là. Pour je... nous, à la fin, c'est le best interest of the child. Parce que moi, on connaît dans la nouvelle loi sur Act 2020, best interest of the child. Le meilleur intérêt de l'enfant. Oui, euh, c'est très important que nous empêchions ces parents-là à ce que par une réoccurrence de incident incidents qui n'arrivaient dans le passé. Donc nous, au niveau au, au niveau de nous départements, les psychologues, ça qui nous fait quand un quand une enfant il a été retiré. Euh, de care and custody des parents, nous appelons même parents là, nous continuons à faire des sessions pour nous éduquer de la façon qui les des qu ils sont parents de enfants. Par exemple, euh, euh, pour, pour vous dire que nous-mêmes, dans nos générations, on a été grandis de façon euh, que, que euh, punition corporelle. C'était normal à l'époque, mais maintenant, ce n'est pas normal. Donc, façon que nous grandissons, nous pouvons essayer... C'est vie la même façon avec nos enfants, sans qu'ils nous réalisent l'implication. C'est bien de faire différence entre une mesure corporelle, correctionnelle et un battered child. Mm -hmm. Un battered child, c'est un enfant qui peut gagner des blessures. Très, très grave que que parents Barton Gouya fait bads enfants prend p'PCAV l'aide de ban les hommes qui vraiment cause vraiment du tort et du mal à l'enfant donc c'est bien de faire la différence entre ça donc ça ce mm. type de parents là je devine pour ban mm. counseling sessions et au fur et à mesure nous trouvons un improvement c'est suite à ça que nous donne donnent ban rapport positif à la cour. Mais il y a même parents qui n'a pas montré aucun effort aussi. Nous, Malheureusement, nous pas capables de retourner aux enfants. Mais la plupart des parents, je te fais un effort qui, je te reprend aux enfants. Il y a aussi, je me tu, mais tu envie euh, souligne quelque chose, il y a une grande différence entre la pauvreté et la négligence. Être pauvre, pas veut dire que aux enfants, pas, pas pour bien psychologiquement, et ils peuvent vivre dans un environnement malin, moque d'hygiène ou pas. Il y a une bonne famille qui est vraiment pauvre, mais je t'assure sécurité et je t'assure l'hygiène des enfants. Par exemple, euh, par contre, nous, il y a une bonne, bonne, bonne famille qui est bien correctes, mais malheureusement, je néglige ces enfants parce que je tombe dans la drogue, je tombe dans l'alcool, je t'ai moins de temps pour ces enfants. Mmh. Donc, euh, c'est tout un ensemble d'exemples qui nous ont. Parlant des protections des enfants. D'accord. Et ça, c'est arrivé à déterminer tout ça là parce qu'il de a des douaines, des parents là. Où bon. est y Bon. C'est une cause de la parentalité, nous cause de la parentalité. Bien oui. sûr. Nous avons fait un travail, une suivi avec la parentalité. Mais quand on a cause la parentalité, nous avons des aspects bien importants au niveau de la CDU. Un qui nous appelle APP, à téléportage parents, qui nous fait un centre communauté, centre social par exemple, nous allons aller le soir, que nous allons les parents venir. Exode enfants, s'il vous plaît. Parce que si ces parents là viennent, on pas qu'à rester sous la gare. Non, ce n'est pas possible. C'est pas le problème. Nous disons, prends un enfant là, venir le soir. Qui fait? Au bout nous moment, la chambre, les enfants peuvent faire des activités récréatives. Et de l'autre côté, les parents peuvent faire des formations. Comme Et pendant nous, quand de enfants faire des formations, quand les l'enfant et les parents ensemble. C'est bon on dit ça aussi. Allô, ça c'est un téléportage, parents. De l'autre côté, nous avons parenting. Parenting, c'est quoi? C'est qui cas qui nous gagne au niveau de la CDU. Qui est recorded. C'est les parents qui nous appellent pour nous fait parenting avec eux. Ah, quand même! Et il dit, bon, je vais vous montrer le pamphlet qui a été tiré récemment par le ministère. Oui. Je vais vous montrer ça la caméra pour que vous puissiez vous voir. Oui. Nous donnons une formation parenting à ces parents-là. Là-dedans, de ce livret-là, expliquez quelle qualité de parent vous avez été. quest ça veut dire un rôle modèle d'un bon parent? bout par bout. Il expliquez-vous, en créant, il expliquez C'est quoi la parentalité? Quand il y a un problème qui faut faire. Et moi, ce qui me compte, c'est que je vais qu'on a le parenting. Il y a un portage. Qui a peut dire pas de portage Nous, on en tant que fichier, nous ne pouvons pas de dire non. Hein, Ou sa parole peut dire non, mais si tu as un problème, on fait ça, on est si réciproque. Ou ah. tout le elle peut dire non, moi, si tu as un tel problème, on fait ça. Nous ne pouvons même pas dire qui est mm. bien fait à nous. Ce portage oh, en parole, est bien intéressant. Et ça, mon cardio, nous préférons partout. Nous avons 10 outstations, 10 bureaux de la CDU à travers l'île Maurice. Nous préférons dans tous les 10 outstations. Et je fais ça, ça régulièrement? Régulièrement. Chaque demande, nous pouvons faire dans tous nos station et ça peut peut pas souffrir. Et au contraire, les parents peuvent redemander comme on a la deuxième session. Man, man, man. Nous disons que nous 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 bien sûr étape par étape. Nous pouvons continuer à faire. Lire. Quand nous prenons des ressources personnelles, nous demandons psychologue psychologues, nous avons nous-mêmes des officiers CDU. Plusieurs mm -hmm. ressources personnelles qui viennent, qui viennent cause avec ces parents-là. Et c pour nous, ce qui est plus important, c'est l'intérêt de l'enfant. Et nous ne pouvons pas oublier une chose. Hein? Premier éducateur d'un enfant, ce sont les parents. Bien sûr et nous besoin un parent comment nous pouvons un parent c'est à travers le projet deAPP, de APP à téléportage parents à travers parenting à travers l'émission missions nous peut faire ici aujourd'hui mais aussi nous avons mm -hmm. beaucoup de parents qui peut écouter nous mm -hmm. alors l'éducation des parents très important l'éducation des nouveaux enfants aussi bien important qui fait parce que moi-même mon travail que et mes bonnes nous allons demander l'école demander collège nous allons faire quoi cours, c'est que ça jeune là nous expliquons par exemple la nouvelle loi sur les sur de nouveaux enfants hein. alors Vaut mieux prévenir que guérir. 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 Alors, prévention plus importante. Et nous pouvons mettre beaucoup l'emphase de prévention à travers nos enfants, à travers les parents, à travers APP et parenting. Et nous sommes que doucement, doucement, bien sûr, à court terme, nous pas pas de résultat positif, mais nous sommes que à long terme, nous avons un résultats positif pour nos enfants. Et vous pouvez dire que ça des parents là, qui, euh, qu atelier des parents-là, qui plus qu'un atelier, vous pensez, c'est une thérapie sûrement qui se fait là-dedans euh... Euh, non, un atelier partage des parents. C'est une ben session qui nous fait que nous avons un ben nutritionniste de montrer nous comment alimente les ben enfants. Nous en avons euh, ben un psychologue que nous cause la responsabilité parentale, mm -hmm. l'autorité parentale amène juste à comprendre l'adolescence, la communication. Comment un ben adolescent ont des un problème émotionnel que je pas exprimer que je à suicider. Donc nous avons aussi une family welfare protection officer qui vient explique euh, les droits des enfants. Donc mm -hmm. c'est tout un ensemble de différents stakeholders qui, viennent, qui, qui qui englobent les trucs que les que, que parents supposés connaissent, supposés au courant de. Donc, atelier portage de parents, si, si on a l'information adéquate, c'est 8 à 12 semaines qui fait ça. Donc, nous avons parents à travers l'île qui viennent dans un centre communautaire et nous fait ça spécialement après les heures du travail pour que tous mes parents puissent bénéficier de ce service-là. En tout cas, euh, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Nous vous faisons un dernier euh, tour de table avec euh, nos deux invités. Nous nous avons dit, lors la protection hein, des enfants, comment est-ce qu'ils nous cavent nous tous ensemble, nos sociétés, mieux protègent nos enfants pour ce développement. Merci Ratanjori de nous avoir rappelé ça. Alors, le fin dernier tour de table. Peut-être, euh, Ratanjori, qui vous envisagez? Ah, ouais, mon mot de la fin, connaît la protection et le développement nos nos enfants. Ce n'est pas juste la CDU, ce n'est pas juste la MBC, c'est l'affaire de tout le monde. Vous nous nous ne sommes pas pour là, c'est ça, les enfants là qui sont pour là. Alors, c'est l'appel qu'il peut faire à nous tous, nous ne pouvons pas la main ensemble, nous mettre la tête, et nous mettre les cœurs ensemble pour que nous puissions protéger nos enfants. On peut dire, nous ne sommes pas pour là à nous protéger nos enfants pour que nous puissions protéger nos Maurice. Et au dis nous aussi qu'il y a un numéro de téléphone, c'est une hotline. Peut-être les bons hein, encore une fois, pour une qui fait qu prend l'émission en cours. ça numéro-là, et surtout, à quoi il servit attendez Alors, le hotline de la Cidu c'est NN3. Il est gratuit, 24 sur 24. Et vous pouvez téléphone là-dedans. Pas capable, ou besoin de téléphone là-dedans quand un cas, parce qu'il y a une obligation de rapporter les cas. Si vous ne rapporter aux complices, maximum d'emprisonnement. 5 ans et maximum amende, c'est 200 000 euros. Payés. Voilà, donc c'est le devoir de tout un chacun de dénoncer qu'il y ben ou alors cas ben suspect de, euh, de maltraitance, d'abus mm. chez les enfants. Alors, Critique, Benga qui m'invite à nous euh, En tant que psychologue, mon mot de la fin, c'est que euh, les parents doivent être plus responsables en connaissant comment se à vie de l'autorité parentale. Qui m'appelle l'autorité parentale, rapidement? L'autorité parentale, c'est très important. C'est la, la discipline. La discipline. Connaître quand il dit dire non. Connaître quand on dire oui. Savoir que tous les enfants peuvent aller, qu'ils peuvent faire, parce que le monde extérieur n'est pas trop, trop correct de nos jours. Il y a plein de choses. Et les, les adolescents, plus particulièrement, particulièrement, je ne suis plus influencée par ce camarades. camarade. Donc, ce qui mène, je, 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 je tombe dans la drogue, je tombe dans différentes filières qui parcourent. Donc, Oubizin connaît qui aux enfants peut faire, qui les par PFR. Ça appelle à être un parent responsable. D'accord. Donc, l'autorité parentale, la discipline et la responsabilité, le rôle des parents, mm -hmm. Oubizin euh, déjà connaît exactement. Comment est-ce qu'ils nous carave, Mettez en place et surtout comment est-ce qu'ils nous cave euh, dans la vie de tous les jours, hein, imposent pour le bien-être hein, de nos enfants? De enfant. En tout cas, merci beaucoup d'être venus sur le plateau, vous deux. Merci. Et m'espérez, nous avons l'occasion de référer en commun les autres émissions. Tu pour explique -nous. Mm -hmm. euh, qu que Explique-nous, justement, ce qu'ils peuvent faire au sein du ministère de l'égalité genre, des genres et du bien-être de la famille, qu'ils peuvent faire pour la protection des enfants et de la famille aussi. Merci beaucoup. Merci, merci oui. à vous qui nous suivent. C'est l'émission-là, ici, le Diaou. A très bientôt pour un nouveau magazine sur notre société.